Une partie importante de doTERRA, c'est la fondation Healing Hands, qui a été créée quelques années seulement après la création de l'entreprise en 2008. La fondation Healing Hands, est vraiment, une fondation qui fait, des choses extraordinaires. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'argent, a été cumulé et redonné dans différentes communautés, différents, organismes. Et pour vraiment le partager, l'exprimer, je vais partager mon écran et faire jouer une vidéo sur le site justement de la fondation Healing Hands. Parce que je trouve que dans cette vidéo, on dit tout et on comprend la profondeur, et l'intention derrière. Ce qui est intéressant, de voir, au sein d'une compagnie comme la nôtre, parfois, avec ce type de modèle d'affaires, on peut souvent voir dans les entreprises, des entreprises qui vont beaucoup parler de l'aspect financier, de devenir millionnaire, de pouvoir s'acheter une voiture de luxe X, Y, Z une fois qu'on a atteint des niveaux dans l'entreprise. Ce qui m'a beaucoup marqué chez doTERRA, c'est justement cette absence de En fait, oui, bien sûr, on peut gagner de l'argent et c'est bien d'en gagner parce que c'est quand on gagne beaucoup d'argent qu'on peut ensuite redonner et aider. Et c'est justement ça qui est beaucoup encouragé chez doTERRA. Et ce qui est souvent intéressant de constater et de voir, c'est que les personnes qui commencent à travailler chez doTERRA sont stimulées par le fait qu'éventuellement, ils vont pouvoir aller participer à un voyage humanitaire, à aller donner de leur aide, de pouvoir gagner un voyage pour lequel ils vont même devoir payer pour pouvoir aller supporter des gens dans les pays en voie de développement avec lesquels on travaille. Donc, il y a vraiment quelque chose de différent, je dirais, chez doTERRA. Et je partage à l'instant cette vidéo ici, qui est pas très longue, 2 minutes environ, avec le sous-titrage. The doTERRA Healing Hands Foundation brings healing and hope to the world through providing global communities with the tools they need to become self-reliant. By participating in projects that address the needs of microcredit lending, access to health care, education, sanitation, clean water, and fighting child sex trafficking, individuals are empowered, lives are changed. doTERRA International provides all the overhead and administrative costs of the foundation, thereby ensuring that 100% of all donations go directly to people in need. That's been the mission and the vision of the foundation from the very beginning. Even when doTERRA International didn't have very much, even when its founders weren't drawing a paycheck, but the desire, the objective was to establish a pattern of giving right from the very beginning. In fact, one might say that as much as we love the essential oils, as much as that brings hope and empowerment to people that use and share the oils, culture really begins with this desire to give, to help, to liberate, and to empower others through the foundation. One of the primary differences between doTERRA and its humanitarian foundation and so many others is the difference that you see in the lives of the people. They come to doTERRA looking for their why, their reason to participate in something, to give back. And they find it in the Healing Hands Foundation.
Donc, on peut aller sur le site de Healing Hands. À partir du site de doTERRA, on va dans notre histoire et on peut aller voir ici le Healing Hands Foundation du Canada. On redonne évidemment à des causes d'ici aussi. Et ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que quand on travaille chez doTERRA, on a la possibilité, si on veut démarrer un projet pour une cause qui nous tient à cœur, on peut avoir le support de cette fondation qui va venir nous appuyer et qui va venir donner le même montant que nous-mêmes on aura pu cumuler. Donc, on a tout un procédé pour pouvoir faire des demandes de cette façon-là. Et donc, c'est vraiment la philosophie de doTERRA de nous encourager chacun et chacune à être impliqués dans nos communautés et à redonner de la façon qui est possible pour nous. Et si en tant que client, c'est quelque chose qui résonne, je devrais dire, la façon de participer à cette fondation, c'est soit d'acheter la crème à main à la rose ou le mélange Hope. Donc, ces deux produits, 100% des ventes vont directement à la fondation. Et sinon, il y a toujours la possibilité, à chaque fois qu'on fait notre commande dans le programme de fidélité, le LRP, d'ajouter une petite case à la fin où on peut cocher 1 $, ou même si on veut, on peut donner plus que 1 $, mais ça fait une différence à la fin de l'année. Il y a vraiment énormément, beaucoup de personnes, des communautés qui en bénéficient de diverses façons. Donc voilà.